Sur plus de 24 000 sources d'eau que compte le Burundi, 2500 sources ont tari. Cela ressort d'une récente étude réalisée par le ministère en charge de l'environnement. Le secrétaire permanent de ce ministère, Emmanuel Ndolimana, l'a fait savoir ce jeudi 26 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'eau, édition 2020. Selon lui, le gouvernement a pris la mesure d'abattre certaines essences plantées au bord des sources d'eau, comme les eucalyptus, réputés pour sa consommation de l'eau. Le gouvernement du Burundi a créé, a mis en place une ordonnance interdisant la plantation des arbres absorbant beaucoup d'eau autour des sources d'eau et autour des marais. En plus de ça, le gouvernement du Burundi a institué une journée de l'environnement pour que cette journée soit une journée dédiée à la protection de l'environnement et d'une façon générale, protéger l'environnement, d'une façon particulière, protéger les sources d'eau. Les cérémonies organisées à cette occasion ont été marquées par l'arrachage de la jacinthe d'eau au bord du lac Tanganyika sous le rythme du tambour du Burundi. Les associations de pêcheurs, les associations des défenseurs de l'environnement, la marine burundaise, l'UNICEF et le personnel du ministère de l'Environnement étaient présents pour cette activité.